Les maladies invisibles sont les plus dangereuses. On ne les voit pas, on ne peut pas les combattre. Le trouble bipolaire est une maladie vicieuse qui nous change, qui nous gangrène. Comme 1,3 million de Français, Thomas est bipolaire. 15% d'entre eux ont recours au suicide, car en moyenne, il faut 4 à 5 médecins et 10 à 12 ans avant qu'un diagnostic soit prononcé. C'est pour ça que nous avons créé Polaris. Suite au conseil de son médecin, Thomas a décidé de participer au programme de recherche Polaris et d'utiliser notre environnement pour accélérer son diagnostic. Les chercheurs ont accès à une interface web leur permettant de créer des activités pour révéler le potentiel psychologique du patient. En parallèle, les patients ont accès sur l'application mobile à l'ensemble de ces activités. Cette interaction est administrée par un serveur qui collecte à la fois les réponses au questionnaire, mais également les données physiques du patient. Le but, alimenter une IA pour constituer des jeux de données organisés intelligemment et mettre en avant les éléments clés de la maladie. Le trouble bipolaire est une maladie psychiatrique caractérisée par l'alternance d'une phase maniaque à dépressive. L'environnement Polaris permet d'anticiper les changements de phase et ainsi d'adapter le traitement. Pour faire simple, mettre le frein en phase maniaque, l'accélérateur en dépressive. Polaris reposera essentiellement sur une société de service. Nous proposerons notre solution à plusieurs instituts de recherche. Depuis 2 ans maintenant, nous sommes en partenariat avec l'Institut Pasteur, à qui nous proposons déjà l'ensemble de l'environnement Polaris. Notre objectif est d'aider la recherche à si bien comprendre la maladie que nous pourrions accélérer son diagnostic et ainsi améliorer le confort de vie des patients. Comme nous aimons le dire chez Polaris, comprendre pour mieux guérir.